mètres de la ligne. Hayam, le ballon pour Leloulaye. Leloulaye avec Barrett. Allez Barrett, faut pas qu'il passe. Non, Barrett qui a été pris. Il est mis sur le dos, bon retour d'Alex Chan qui va le renvoyer chez lui. 4 minutes, 2 minutes à jouer. Ballon sorti par Withers, le crochet de Leloulaye. Leloulaye, non, il y va pas. Il a failli perdre le ballon. On est à 50 cm de la ligne. Faut tenir les garçons. Faut tenir pour cette première victoire à Brutus. Aïe, aïe, Barrett. Hop, interception. Ça on peut jouer. Ça repart à 0. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est marqué par Sean O'Loughlin qui marque. Oh là là, c'est pas vrai. Avec moi qui avait touché la balle, dommage, O'Loughlin qui échappe à deux plaquages pour aller marquer cet essai au pied de Monsieur Smith. C'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Et c'est marqué par O'Loughlin en attendant la transformation. Les deux équipes, lui, sont à égalité. 16 partout. La transformation va déterminer qui, le Wigan ou les Dragons catalans, va aujourd'hui remporter la victoire. Et vu, lui, où l'essai a été marqué, ça sent la transformation. Allez, Rodolphe. C'est pas sportif ce qu'on va dire, mais ce serait bien qu'il la marque. Oui, c'est vrai. C'est pas sportif. Donc, non, c'est pas sportif, mais bon. C'est pratiquement en phase de couteau. Voilà, ça appartient au jeu. C'est terrible, c'est cruel. Mais c'est comme ça. Mais on a vu des transformations en face des poteaux ratées aussi. Non, il faut pas siffler. Allez, O'Loughlin qui n'avait pas été vénard l'année dernière, c'est lui qui marque cet essai. Transformation et ça passe. La transformation est réussie. Il reste une minute à jouer. Et les fans de Wigan qui ont retrouvé d'un seul coup les couleurs qui leur ont manqué pendant pratiquement 79 minutes. 79 minutes, 18-16. Le renvoi, il faudrait récupérer le ballon. Dimitri Pelo remet ce ballon en jeu, c'est récupéré par Wigan. Aïe, c'est bientôt fini. La sirène qui ne va pas tarder à retentir ici, que l'on va regretter cet arrachage de balle qui a amené la pénalité tout à l'heure. Aïe, ces erreurs qui se payent cher dans ce rugby, cher, très cher. Plus cher qu'ailleurs sans doute. Ballon pour Palea Essina. Et là on va manger le chrono. Quel match, la sirène ici. Et c'est terminé. Et Ian Smith qui siffle. Et ben voilà, c'est fini. C'est la fin de cette partie, victoire de l'équipe des Warriors de Wigan. 18 points à 16 au finish, Wigan a pris sa revanche face aux Dragons. 18-16, deux petits points d'avance, mais une victoire précieuse pour Wigan. Les fans vont fêter ça à coup sûr dans les rues de Perpignan ce soir.